Xin chào các bạn, mình đang ở trước cái quầy thịt đây, thịt lợn và thịt bò để chuẩn bị mua các nguyên liệu về, chuẩn bị gói giò để ăn Tết Việt Nam nha. Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui je vais vous présenter le bon plat chez moi qu'on utilise souvent pour la fête du Tết vietnamien. Ça c'est le plat qui s'appelle giò. Món giò này có thể ăn với bánh Tết, hoặc là có thể cầm đi đường, có thể kẹp vào như kiểu sandwich ấy, hoặc là sẽ cầm lên sandwich vietnamien. On prend le pâté de bœuf avec le bánh chưng ou bien le bánh Tết. Et voilà, c'est la façon que vous avez déjà goûté ici, c'est-à-dire on fait tous les petits bâtonnets roulés dans la feuille de riz pour faire des rouleaux printemps. Voilà, ça c'est de toutes sortes d'ingrédients, des herbes et le pâté de bœuf, même des angles et toutes sortes de petites herbes vietnamiennes. Voilà, c'est pratique pour l'apéritif, pour recevoir un groupe ou bien d'invitation. Voilà, n'oubliez pas, il y a la sauce air douce et la sauce piquant. C'est le giò bò, c'est-à-dire que c'est le rouleau haché de bœuf fait dans la feuille de bananier. Pour 2 kg de bœuf, il faut choisir des morceaux en cuivre comme ça. C'est pas trop mou, mais c'est pas trop dur non plus. Ça convient bien avec ce plat qui s'appelle giò. C'est comme votre charcuterie. Il faut besoin environ 50 grammes de toujours les poivres noirs du Vietnam. Voilà, mình đi 20 grammes de sauce lourihao, c'est une épice lourihao, c'est une mélange. Et là, c'est indispensable, il faut la sauce de nemon. Le premier travail, je dois laver et faire un petit peu blanchir, comme on dit, les feuilles de banane, pour que les feuilles de bananier, pour que les feuilles deviennent mous et voilà, c'est pas trop déchiré quand je vais plier. Voilà, et maintenant je vais faire hacher des cuivres, des bœufs. Avant de faire hacher les cuivres de bœuf, je dois tailler un petit peu. S'il y a des parties trop dures, je vais enlever. Avec le couteau, je peux couper en deux comme ça. Et après, je vais trouver tout de suite la partie au milieu, un petit peu dure comme ça. Sinon, comme ça c'est bien. Et voilà, je vais faire pareil avec les autres morceaux. Si c'est bon comme ça, voilà, juste je coupe en deux parce que c'est facile à mettre dans la machine. Et voilà, si c'est les choses comme déchets comme ça, je vais laisser tomber. Avec ça, on a des bons rouleaux de giò. Le giò, on peut traduire en français comme le pâté, si vous voulez. Voilà. Mais chez nous, c'est le giò. C'est pas pourquoi le mot giò. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un tout petit tuyau ou bien un tout petit rouleau
mouliner, hacher, et avec notre recette, ça donne une sorte de charcuterie excellente. Vous allez voir. Et voilà, maintenant c'est le moment où je vais faire hacher. Voilà, je vais utiliser de la machine comme ça pour faire hacher. Comme des poivres noirs et les épices lumières en même temps. Après avoir haché et voilà les coupes de bœuf, j'ai partagé 500 grammes, c'est-à-dire que voilà, la moitié d'un kilo. 500 grammes de bœuf, mélanger tout de suite avec des rennes voilà, concassées, des poivres noirs du Vietnam. Et je vais, avant de faire les autres étapes, je dois mettre tout de suite dans le, comment on dit, dans le foie, très froid, même quelques minutes dans le congélateur. Et maintenant, après avoir haché du bœuf, je vais commencer à faire encore une fois dans la machine robot. Je dois mélanger chaque 500 grammes avec 4 cuillères de sauce de lemon dans l'eau très glacée comme ça. Il faut chaque 500 g de bœuf, 4 cuillères de sauce de lemon et pas de sel, que de sauce de lemon. Et voilà, après avoir mis 4 cuillères de sauce de lemon pour 500 g, et je vais mettre chaque 500 g environ 5 g de baking powder. Je mélange doucement. Voilà, toujours avec du glaçon. Et maintenant, chaque dose comme ça, j'ajoute une cuillère de la farine de manioc. Si vous voulez, vous pouvez changer avec d'autres farines, mais j'aime bien farine de foufou. C'est léger, il n'y a pas de gluten, c'est très bon aussi. Et voilà, après avoir refroidi de la viande hachée, je vais commencer à faire travailler dans le robot. Ça, c'est une mélange que tout à l'heure j'ai déjà préparé. Maintenant, je vais mettre petit à petit et en faire tourner comme la machine. Voilà, pour refroidir souvent de la viande. Tout d'abord, je vais faire tourner doucement en ajoutant voilà, cuillère par cuillère. La mélange que tout à l'heure j'ai déjà préparé. Faut pas laisser de la viande trop chaude. Toujours refroidir avec ça. Et le robot aussi, il faut faire refroidir avant de faire tourner. Voilà. Maintenant, j'avance un petit peu la vitesse. Je continue à mettre toujours le jus. C'est pas le jus, c'est la mélange très froide. Je prépare une toute petite mélange, environ
5 grammes aussi pour 1 kg de la viande. Voilà, pour donner du goût, voilà, le bonbon. Doucement, je vais mettre. Et voilà, ça c'est le produit que j'ai déjà préparé avec le robot. Voilà. C'est prêt à faire des rouleaux, on dit des ors. Après avoir bien préparé, j'ai mis dans le frigo pour que la pâte ça devient un petit peu ferme. Voilà, comme ça. C'est très collant et c'est parfumé. Voilà, je mélange tout encore une fois. Voilà. Et maintenant je vais mettre faire rouler dans le rouleau de dans les feuilles de bananier. Je prépare deux parties environ. Voilà, la feuille bananier, ça donne du goût. Mais il faut choisir cette partie, c'est plus propre. Là, j'ai déjà blanchi. J'ai fait blanchir dans l'eau très bouillante. Et voilà, je vais mettre sur la table. Et pour bien, pour facilement, ou bien pour faire rouler facilement, j'utilise le rouleau, le film, comme ça, pour mettre la feuille sur le film. Voilà, je vais mettre tout prêt pour que vous puissiez regarder. Fait comme un petit rouleau, comment dire, purée de la viande, comme ça, mais avec la feuille de bananier. Après avoir mis un morceau voilà, à l'ombre, ça c'est du pâté, et l'autre c'est à l'argent, et je vais commencer à rouler avec voilà, le rouleau de feuilles de bananier dans la voilà, dans la feuille plastique, comme ça je roule plusieurs tours. Faut pas trop serrer parce que après de la viande, après la cuisson, la viande va gonfler, va être gonflée. C'est pour ça qu'on roule pas trop. Et voilà. Je laisse comme ça. Je vais terminer. Voilà. De l'autre côté, si ça défait, je vais couper. Et de l'autre côté aussi. Ouais. Si c'est trop long, je vais couper comme ça. Voilà. Et je vais faire petit à petit de l'autre côté. Vous devez mettre la pâte, on dit le produit, dans le foie un petit peu, pour que le produit ça devient un petit peu solide, un petit peu ferme. Comme ça, on va fermer. Voilà. Je ferme comme ça, les deux côtés. Comme ça, les deux fermes. Et de l'autre côté,
Je vais faire pareil. Je roule deux, trois fois pour fermer. Voilà. Soit vous pliez à l'intérieur comme ça, soit vous mettre à côté sur les deux côtés. Voilà. Faut pas trop serrer parce que sinon c'est après pendant la cuisson de la viande c'est gonflé. Je ferme parce que si la on peut fermer avec ça. Si vous n'avez pas de voilà les fils pour attacher, vous pouvez attacher avec ça. Voilà. Tout est possible ici. J'attrape avec les coffres comme ça. Et là aussi. Voilà. Pas trop serré. Un petit peu voilà comme ça et après ils ont gonflé. Voilà, ça c'est le premier zon au bœuf. Voilà, je vais faire le deuxième pareil comme un maquis, un gros maquis. Je roule dans la feuille tout d'abord, voilà, et après je roule dans une feuille plastique. Pas trop serré. Voilà, pas trop serré. Et après, je vais couper les deux côtés. Comme ça. Et l'autre aussi. Voilà. Et je vais fermer. On peut fermer la feuille tout d'abord, c'est possible aussi. Voilà. On plie la feuille, la partie à l'intérieur. Et là, on l'enlève comme ça. On tourne tout de suite. Je tourne, je ferme. Pas besoin le fil de l'attacher. Et je tourne de l'autre côté. Voilà. Je descends de la feuille à les plumes pour fermer le papier à la feuille de bananier. Je ferme comme normalement. Je ferme comme ça. Puis j'enlève ça et je tourne. Je fais un tout petit rouleau comme ça, c'est pratique à manger. On peut couper en rondelles pour faire l'apéritif ou pour mettre sur les tabas. Voilà, on roule un petit peu comme ça. Voilà. Et après avoir fait rouler, je vais mettre tout de suite dans le frigo. Ça. Je vais continuer à terminer ça.
Et maintenant, je viens de sortir des ors, on dit les ors, les abords, pour faire cuire. Pour faire cuire, j'ai mis dans un truc à la vapeur comme ça, en bambou. Voilà. 1 kg de bœuf, je vais faire un grand rouleau, environ 700 grammes ou 800 grammes. Là, c'est chacun 300 grammes, 350. On n'a pas besoin de, comment on dit, de fil. On fait tout de suite avec les plastiques comme ça. Et voilà, et ça, je devais faire cuire à la vapeur environ 45 minutes. Et après, je laisse refroidir et ça c'est plus. 45 minutes, c'est bon. Voilà, c'est notre résultat. Vous voyez, ça c'est à la vapeur, les rouleaux sont devenus sont plus hauts. C'est chaud encore. Et voilà, je vais préparer comme l'assiette des petits entrées à la façon des plombières. C'est chaud et voilà, ça c'est cuit. Quand ils sont gonflés comme ça, ça veut dire qu'ils sont cuits. Et voilà, après avoir fait à la vapeur, le pâté de bœuf, voilà, ça devient comme ça. C'est pas trop... c'est un plat, c'est pratique à manger et dans les petits entrées ou avec l'accompagnement de toutes sortes de légumes aromatiques comme basilic, coriandre chinois, coriandre vietnamienne, des petits pimentos ou voilà les feuilles très parfumées chez moi, on dit c'est l'angot, et même des petits bâtonnets et poireaux aussi. Voilà, tout ça, on peut mélanger la forme des bâtonnets. On peut faire des bâtonnets et rouler avec les tranches de pâté de bœuf comme ça. Et n'oubliez pas faire la sauce avec les deux sortes de citron. Voilà. Ça, chez moi, on présente... le pâté avec le plateau de la fête, je vais vous présenter. Voilà. Đây là cái món giò đầu tiên để chuẩn bị cho ngày Tết nha các bạn nha, hoặc là cho cái đêm giao thừa. Tôi vừa ra được cái món giò giò bò. Món này thì nhà mình thì hay bày ra ở giữa như kiểu để ăn với xôi hoặc là ăn nhấm nháp trước khi mà vào ăn những cái món chính. Thì cái món giò này hay được bày ra ở giữa bàn hoặc là giờ bày cùng với một cái đĩa thịt gà hay cái gì đó. Đó thì thường là có cả giò lợn, nhưng mà nhà thì hay làm giò bò. Thì giò bò thì nó đỡ mỡ hơn và nó cũng có vị ngon hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Còn thì nếu không thì cái món này mình còn có hay ăn trong cái gỏi cuốn, dùng cho khách ăn cái gỏi cuốn nữa, mình cũng giới thiệu luôn.